Ou le cacapo. Tu connais le cacapo? Oui. Bon. Le cacapo, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un perroquet vert qui s'est pas volé. Ok, il y a les autruches, mais encore une autruche, ça fait 2 mètres de haut, ça fait peur quoi. Et puis ça court vite. Au moins, il y a un truc. Toi, cacapo, ça court pas vite, ça sait pas marcher. Ça tombe régulièrement des arbres, de ce que j'ai entendu, donc ça meurt. Ça ne sait pas voler et ça passe sa journée à essayer de s'accoupler avec des pierres. Genre, ils ont trouvé des cacapos en train d'essayer de baiser des cailloux. Il en voie d'extinction, ce pauvre cacapo. Et ça me fait une peine incroyable parce qu'il est génial. Mais à un moment, merde, t'es un perroquet, tu sais pas voler, tu baises des cailloux toute la journée. Bon, bah. On peut essayer de te préserver, mais c'est dur. Les RX-8, c'est pareil. C'est super bien, ça m'emmerderait que ça disparaisse. Mais entre les 20 litres au 100, même sans taper dedans, le rebuilt moteur, c'est parce que le moteur demande beaucoup d'entretien un peu spécifique, avec un bornage qui est ultra resserré, consommation d'huile qui est hallucinante, genre ça te coûte cher en huile. Écoute, RX-8 égale cacapo. Voilà. Dans